Bienvenue dans la province la plus occidentale du Canada. Une terre grandeur nature qui vous offre un éventail de paysages contrastés, dévalant des rocheuses vers les 6000 îles spectaculaires de la côte pacifique. La Colombie-Britannique est la province la plus à l'ouest du Canada. Vancouver est la plus grande ville de la province et 60 % des travailleurs qui œuvrent dans la province sont dans la région du Grand Vancouver. Il y a 7 régions en Colombie-Britannique. L'île de Vancouver et la côte, Vancouver et le Lower Mainland, Thompson et Okanagan, Caribou, Kootenay, Côte-Nord et Nunchako, et le Nord-Est. Vous voulez vous établir dans un centre urbain? Voici le témoignage d'Anne qui nous raconte son parcours. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Bulle, que personne ne connaît, qui est à 1 heure de Toulouse. J'ai un master en management, j'ai fait une école de commerce, l'ESC Toulouse. Donc j'ai travaillé quelques années à Vancouver. Je me suis plutôt spécialisée en fait dans le call center et j'ai un poste de management. Il y a plusieurs raisons qui font que j'aime la ville de Vancouver. La première, clairement, c'est que c'est une ville anglophone. La deuxième, c'est que je suis rentrée dans un call center et c'est vraiment Vancouver, la deuxième ville en fait où il y a le plus grand nombre de call centers. Donc pour moi, Vancouver, c'est la ville idéale pour construire ma carrière. Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est pour les personnes qui ne parlent pas très bien anglais, c'est vraiment de trouver un travail en magasin, dans une boulangerie, dans un café, où vraiment on côtoie des clients toute la journée. C'est vraiment le meilleur moyen pour améliorer l'anglais. Pour des personnes qui parlent bien anglais, c'est vraiment de trouver un travail dans leur branche, mais accepter l'idée que ça pourra peut-être être un travail un peu moins qualifié que ce qu'ils espéraient au début. Donc pour moi, Vancouver, ça m'a vraiment donné la possibilité de prendre un petit boulot dans un call center, faire mes preuves, me faire confier d'autres responsabilités au bout de quelques mois et ensuite vraiment prétendre avoir un poste de manager d'équipe en fait. Et quand je compare avec l'expérience que mes amis ont eue en France, où ils en sont aujourd'hui, je me rends vraiment compte que le Canada et Vancouver m'a offert une chance en fait. On m'a fait confiance beaucoup plus que ce qu'on m'aurait fait confiance en France. Merci d'avoir regardé ces capsules vidéo. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site web du programme d'immigration francophone de la Colombie-Britannique.